Céline, c'est bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Rise of the Tomb Raider. Alors, épisode précédent, on a quand même eu un peu d'action, quelque chose me dit que ça va continuer. On a retrouvé Jacob, pour ne pas changer, on l'a reperdu. Et maintenant, ben, on va, j'imagine, le retrouver, hein, parce qu'il n'est pas mort, il ne peut pas être mort, je pense pas. Donc, je propose. Ça se casse, assez bien. Alors, quelle arme on a? Hop, on va prendre l'arc, voilà. C'est superbe, n'empêche. Mais j'ai un peu du mal à comprendre qu'il n'y ait personne qui ait trouvé ça. Enfoncer la porte. Donc là-bas, on doit aller. Très bien. Il y a du monde quelque part. Alors, là-bas, j'ai l'impression. La bonne chose, c'est qu'il y a un baril. Ça c'est fait. Alors, on va s'amuser. Pour fabriquer des grenades fumigènes. D'accord, on va faire ça. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ouais, moi je préférerais taper dans le baril et faire tout exploser. Voilà. Entendu. Et là, en fait, ça va tout faire foirer parce que juste à fouiller le corps, on va se faire remarquer. Ce qui est de ta tête. Et c'est un peu l'avantage. L'avantage, c'est qu'il me voit pas. Le problème, c'est que je vois pas sa tête. Ta tête! Ce qu'elle est ta tête? Voilà. Mais arrête de bouger. Ah mais en fait, je crois que mes... Ah merde, ils m'ont vu. Oui, va-t'en. Ah non, mais idiote, passe pas devant. Hop, attendez, hop. C'est un peu du n'importe quoi. On va se soigner. On va repartir ici, derrière. On va mourir, on va mourir. On va se soigner. Voilà. On retourne en arrière. C'est pas frais de moi. Ah merde, non, 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 me la suis tirée dessus. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Allez, on va recharger, on va se calmer. Non, tu te soignes. Tu tues ça. Oh, c'est du n'importe quoi. On voit bien que je suis restée une semaine sans jouer. Ok, allez, on se calme. Ils sont tous morts. On reprend ses esprits. Non, je croyais que tu te relevais. Alors. J'ai été un peu décontenancée du fait que le monsieur là-bas, je le tirais dessus et ça passait pas, mais il avait un casque, j'avais pas fait attention. C'est quoi? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je voulais de l'explosif, moi, pas des fumigènes. Ah, attendez, on va prendre la bouteille là. Non, je veux la bouteille. Non, je veux la bouteille. Je peux pas te lancer? Voilà. Hop. J'aime pas que ça fasse. Allez, un petit peu de lecture. Mais garde la bouteille. Il est impératif que vous répondiez à mes missives. Nous avons un besoin urgent de matériel et de renfort. Une révolte est en cours et les prisonniers contrôlent désormais le site des fouilles et les structures avoisinantes. En réponse. J'ai ordonné l'exécution massive de prisonniers issus de la population native. S'ils ont ne serait-ce qu'un peu de bon sens, ces rebelles déposeront les armes et se rendront pour sauver leurs frères. Ouais, tu peux toujours essayer. Pas certaine. Oh, on va ramasser. Bon, on est soigné à fond. On est soigné à fond. On a tout ce qu'il faut. Prends la petite bouteille. Hein?
un atout. Des petits soins, on peut prendre. Et elle lâche le cocktail comme ça tombe par terre, mais ce n'est pas grave, ça ne m'explose pas à la figure. Bon, quelque chose me dit qu'ici je devais battre des gens, mais je les ai tués avant. Enfin, ils ont eu le temps de venir parce que je me suis gentiment fait remarquer. Allez, une petite pièce intéressante. Outils de fabrication. C'est quoi ça? Les outils déverrouillent les améliorations de niveau supérieur pour toutes les armes. Améliorez vos armes dans un feu de camp. D'accord. Des ramassons. On va la garder avec nous. Ça en fait un boucan, ce truc? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut pas ramasser. Évidemment, au moment où t'arrives, ça se pète, hein. Ça a fonctionné pendant des semaines et des semaines, j'imagine. J'ai aucun doute que notre réseau de communication a été saboté. Vous n'avez dû recevoir aucun de mes derniers messages. Mais je continuerai à les envoyer car c'est mon devoir. Les natifs nous ont attaqués sur plusieurs fronts, juste après la série d'exécutions de leurs frères, censés les mater. Ils sont bien plus nombreux que nous ne l'imaginions. Il est évident qu'ils viennent de derrière la montagne et qu'ils préparent soigneusement leur révolte depuis des années. Nous n'avons plus eau ni électricité, et l'hiver approche. Ceux d'entre nous qui sont encore en vie ne vont pas tarder à partir. Nous disposons d'un train de marchandises, et nous allons essayer d'emporter un maximum d'archives et d'artefacts. D'accord. En fait, je pensais au départ que c'était de moi qui parlait avec le problème de réseau communication qui était saboté. Je dis, ah, ça c'est moi, on parle déjà de moi. Mais en fait, rapport d'activité de la station en 1970. Autant vous dire que je n'étais pas née, donc ce n'est pas moi. Et Lara non plus n'était pas née à cette époque. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut rien faire? On peut rien faire. Ah, on peut faire quelque chose. Je croyais qu'on me tirait dessus, mais en fait, c'est juste le machin qui est en train de... Et vous allez me dire qu'il n'y a pas un avion qui est passé par là, ou un hélicoptère ou quoi, qui s'est pas rendu compte qu'il y avait ce trou et ça à l'intérieur auparavant? Ok, là je crois qu'on est safe, on peut descendre, on peut se faire mal un petit peu. Je suis pas la première à essayer de passer cette porte. Non, ça c'est clair. Et c'est... Mais tu vas être la première à le réussir. Alors comment est-ce qu'on va faire? C'est quoi ça? Bon, ça c'est là. Alors, il faut casser ça. Avec ce truc-là. Ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Et puis? Voilà. Le camion est attaché à cette porte. Il est assez lourd pour forcer l'ouverture. Donc il va falloir tirer le camion? Et ça, c'était dans le chemin? C'était dans le chemin, j'imagine. On pousse, on pousse, on pousse. Au revoir, le chariot. Il n'y a pas un petit truc à fouiller ici derrière ou... Non? Non? Ok, tout simplement. Alors... Ici, j'imagine, on va tourner la manivelle. Alors, en bon droit. Vas-y. Non? Tu veux pas? Il faut juste que je trouve un moyen de le faire tomber dans le coffre. Et puis quoi? Le camion Oui, est attaché j'ai à cette compris, porte. j'ai compris, j'ai compris. Le Il est camion est assez lourd pour attaché. forcer l'ouverture. Et puis quoi, faut couper la corde, ouais d'accord, comme ça va faire un poids qui va faire tomber le camion et qui va ouvrir la porte. Évidemment, hein, t'aurais eu trop de chance si ça n'avait pas fait tout ouate. Ok, c'est bon. Bah maintenant on peut passer par là. On peut aller voir ce qui se passe ici derrière. Une petite statue, on peut rien faire. Ici, on peut monter.
du petit soin. Non, ah, je suis pleine. Ok. Alors là, on peut monter. Vous allez voir, hein, tout va s'effondrer juste au moment où j'aurai fini tout ce que j'ai à faire. Parce que quelque part, en fait, elle a pas de chance, elle a jamais de chance, mais toujours quand même assez, juste assez pour s'en sortir. Je vous dis, c'est de la TV, c'est fait exprès. Là, on va par où? On descend? On descend, tout simplement. Des champignons, on peut prendre. Ah, qui dit champignons, dit flèche. Qui dit flèche empoisonnée, dit ours. On peut sauter là-bas au-dessus? Non, on peut pas sauter là-bas au-dessus? Non, ok. Ah, on redescend dans la fameuse pièce où on s'est fait massacrer tout... Ah, non, non, non! Non, non! Et c'est quoi cette histoire? Ils viennent d'où, eux? Bon, tu veux pas te cacher? Alors, je propose qu'on passe directement aux grosses armes, hein. Voilà. Ah merde, il y en avait un là. Le problème, c'est que je veux bien vous faire au corps à corps, hein, les gens, mais... ça me fait me tuer, quoi. Je suis morte. Non, peut-être pas encore. Par contre, toi, oui. On se soigne. On peut pas? Ah, il y en a encore un là. Merde. Toi aussi, t'es mort. D pour ramasser. Hein? What? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais foutez-moi la paix! Ah, il y en a encore derrière moi, j'imagine. Allez, mais frappe du bon côté. Elle a du mal, elle a du mal, elle a du mal. Et je suis morte. Et je suis morte. Bon. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait, à mon avis. Quelque chose que je dois pas bien faire. Je peux pas les tuer au corps à corps en fait. Parce que si je les tue au corps à corps, elle met trop de temps pour se cacher. Non, on va rester derrière ces deux-là. N'empêche, c'est solide, hein, les constructions. Ok, alors. Mais tu crois pas que je vais être la seule à mourir non plus. Mais non! Ramasse pas les balles maintenant, idiote! C'est peut-être ça mon souci en fait. Oh, il me semblait que je suis blessée. Tu mets trop de temps pour tuer du monde, t'étais trop à la... Ah! Alors, on soigne. Ouh. Ok. Alors. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, là, on a eu son compte. On ramasse tout. Elle met trop de temps, en fait, pour tuer ses ennemis une fois qu'elle est en furtif. Et alors, ce machin-là... À chaque fois que j'essaye de tirer en fait ou de tuer à corps,
Il voulait ramasser des balles, donc en fait, il ne laissait pas les tuer. Bon, c'est bon là. C'est bon maintenant. On va ramasser les balles parce que je crois qu'on n'en a plus. Petite bouteille. Deux petites pièces, hein? Wow, comme si on n'avait pas autre chose à faire. Alors par là, qu'est-ce qu'il y a? Des petits soins très nécessaires également. Est-ce qu'on est... On est full en soins, c'est bien. Du petit bois. Voilà. Alors maintenant, et ce baril, sérieusement, est encore entier? Bon, la porte est par là, donc on doit aller par là. Ok. Ok. Tranquille, easy. Easy. Oh là 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 là, pour recommencer une session de record, ce genre de session, de moment, c'est vraiment pas ce qui est le plus facile. Alors, petit champignon. Une petite boîte cadeau. Une garde d'épée en or incrustée de pierres précieuses. Elle appartenait à un noble byzantin. Apparemment, il y a quelque chose qu'on doit trouver. La petite pierre précieuse, non? Qu'est-ce qu'on doit trouver dessus? Ça? Voilà. La lame est brisée à la base. Est-ce que c'est arrivé pendant un combat? Sérieusement? C'est vraiment le plus important? Alors... Ok, bon. Wow, piège! On descend. On recule. On va par là. On va d'abord aller par là pour voir. Non, ah, on est plein en champignons. Ah, mais on va faire ça d'abord. Ça, c'est des pièges. Mais c'est quoi le piège? Ah, là par terre. Ok, donc ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Alors, il y a quelque chose là encore sur le côté. Vous croyez qu'on sait faire ça? Voilà. Non? Ah, elle veut pas en fait monter. Ah, si, elle veut bien monter. Oh, c'est une blague encore! Non! Ils sont où? Ah, là-bas au-dessus. Ah merde, je l'avais pas vu lui! Ah mais je l'avais pas vu! Ah, bouge-toi! Elle bouge! Je vous jure que j'ai le bouton sur le. J'ai le doigt sur le bouton pour qu'elle avance. Je vous le jure. Non, mais c'est vraiment pas. Non, mais on va peut-être pas aller par là, en fait. Attendez. Est-ce qu'on. Oui, donc on passe au-dessus de ça. On prend le truc. Bon, alors, apparemment, c'est par là qu'on doit aller. Donc on va aller voir un peu par ici ce qu'il y a. Avant. Bon, là, il n'y a rien. Ou alors, on va juste tomber dans le même endroit, mais par un emplacement différent. Ah non, il y a juste un petit sac. On va prendre le petit sac, hein. Comme ça, hors vidéo, je pourrais aller ramasser les petites caisses un peu intéressantes. Et de l'argent. C'est toujours bon à savoir, à prendre. Donc, c'est bien par là qu'il faut aller. Il est plus loin le piège. Donc on le sait, on va prendre directement la grosse arme, hein, voilà, et on se cache. On va prendre ça, hein. Il n'y a pas de raison qu'il y a que qui fasse des bombes.
Ils sont là-bas au-dessus. Quoi, ça a pas explosé, maman? Ah merde, je l'avais pas vu lui. C'est pas évident, hein. Je crois que je vais abandonner là, en fait. Je vais abandonner. Ah, mais c'est une blague. Bon, attendez. On est avec ça. Ça, c'est bon. J'ai cru... Ok, alors... Non, c'est une blague! Je crois que je vais abandonner là, en fait. Bon, allez, c'est fini. Je ne meurs plus. Je meurs... Si je meurs, j'abandonne. Donc, voilà. Je manquerai plus en plus qu'elle rate de... Alors, ils sont où? Il y a une bouteille là-bas, j'avais vu. On va aller chercher la bouteille, hein. On ramasse la bouteille et va-t'en. Et fabrique la bombe. Est-ce que je peux jeter là-bas? Ok, alors il est où? Par contre, t'as pas envie de prendre autre chose que ton arc? Parce que je sais bien que t'aimes bien ton arc, mais. Alors, il y a un monsieur qui va m'arriver par je sais pas où. Bon, ici c'est plus ou moins safe. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui puissent m'arriver dans le dos. Par contre, il y a une bombe. Évidemment. Et où est-ce qu'il est, le monsieur? Je vais aller chercher la bouteille là-bas. Parce que la bouteille me permet de me défendre contre les gros monsieur qui m'arrivent dessus. Je sais pas où il est d'ailleurs. Où est-ce qu'il est? Et je le vois pas. J'arrive pas à le tirer, à le viser là-bas au-dessus. Voilà. Alors, le monsieur va se montrer maintenant. J'en avais pas eu un avec un... Je l'ai tué? Avec un bouclier? Bon, alors ici... En fait, on a tout pillé tout à l'heure. Non, c'est pas la même salle. Si? Si, c'est la même salle. Ok. Il devait en rester un avec le gros bouclier. On l'a tué au passage? Il est où? Celui-là, il a pas de bouclier. Toi non plus? Est-ce qu'on va voir? Ah tiens, elle peut monter avec une bouteille à la main. Ok. Non, je veux que tu ouvres la caisse. Voilà. Un petit cadeau composant du fusil à verrou. Bien, 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 bien. Pourquoi lui, il n'a pas explosé? Parce que je l'ai pas visé, vous allez me dire. Très bien. Non, tu descends. Tu descends. Je suis vraiment pas à l'aise parce qu'il me semble qu'il y en a un que j'ai pas tué.
une petite caisse, du petit bois. Et on s'est soigné à fond, on est soigné à fond. Du petit bois, on va prendre. Hein. S'il y en a tant que ça, c'est qu'ici, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Les munitions, on ramasse. Je suis plein. Ok, alors maintenant, l'autre porte, elle est par ce câble-là. Ce câble-là est par là. Alors, il y a moyen de passer par ici au-dessus, peut-être? Par ici? Non? Ah, par où on était au-dessus ici, alors peut-être. Oh là 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 là, que d'émotions, que d'émotions. Ah, ici sur le côté. Vous avez pu admirer mon noobisme dans toute sa splendeur. Petite carte, carte mise à jour, c'est bien. Moi qui pensais que je commençais à m'en sortir assez bien, bien. Ouais, ça m'a juste prouvé faux. Que j'avais tort. C'est calculé pour. C'est calculé pour. Et maintenant, je vais où? Ah, ici. D'accord. D'accord. Tout simplement, c'est calculé pour. Alors, après, par là, j'imagine. Et par ici, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Alors, maintenant, faire tomber cette grue-là, j'imagine. On va devoir bosser avec toi, j'imagine. Alors, est-ce qu'il y a des petits trucs à ramasser? Non, il n'y a pas de petits trucs à ramasser. Ouais, sur une grande plateforme comme ça. Ah, là, il y a un petit truc à ramasser. Alors. Quelque chose me dit qu'on va devoir remplir le seau d'eau, là. Comment? Non, rien à voir. Alors, on va devoir faire quelque chose avec toi. Mais quoi? Ah ah, attendez. Ah ben oui, voilà, c'est ça. J'allais dire, il y a un truc pour accrocher une corde, et là aussi. Alors, lâche. On monte ici. Je sais pas ce qu'il devrait... Enfin, à mon avis, on a raté une petite discussion avec elle, mais... Rien de bien grave, on a compris tout seul. Et ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Alors, une petite roulette, manivelle, ici, bien, D. Et on tourne, on tourne, on tourne la manivelle. Allez, tu peux le faire. Lâche. Alors, maintenant, on y... Ah, je pensais qu'on allait faire un fil sur lequel on allait devoir marcher, ou... Mais non. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il faut que j'aille? Mais elle marche toute seule! Elle s'en va toute seule, et puis après elle s'arrête, et c'est à moi de jouer! Où est-ce qu'il faut que j'aille? Oh, mais c'est vraiment l'épisode des morts, il y en a qui vont être contents! Ah là! Ok. Et puis là, tout simplement. What? Non, non. Oh là 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 là. Le bordel que t'as fait, ma fille. J'ai voulu sauter pour avancer plus vite. Mais non. Allez, on y va. On parcours. On n'est pas mauvais en parcours, normalement. On devrait s'en sortir. Aïe. J'espère que ça en vaut la peine, hein, ce qu'il y a là-bas derrière, parce que... Oh là là, ça y est.
le bordel qu'on a foutu, mais on est passé. Ce fut difficile. Et est-ce que c'est fini? Elle est blessée? Oh, ma grande, tu t'es fait mal. Cette statue doit représenter le prophète immortel. Ah ben, on l'a enfin trouvé. Et ici, cela représente l'exode de tout son peuple depuis les déserts de la Syrie. Ils se sont installés dans une vallée isolée et ont bâti une grande et belle cité. Qui t'ai-je ? Pour protéger la cité ainsi que son peuple, le prophète a levé toute une armée de guerriers. Mais qu'est-ce que ça peut bien indiquer ? Cet artefact-là, ce n'est pas la source divine. C'est quelque chose d'autre, mais quoi ? Et ses guerriers forgèrent pour lui un atlas, pour que le prophète pût toujours situer dans sa cité les secrets qu'elle renferme. Un plan de la ville. Il pourrait sûrement me mener à la source divine. D'accord. Maintenant... Pardon, échauffement? C'était l'échauffement ce qu'on a fait? Ou on va à l'échauffement et on n'a même pas encore commencé à jouer? Parce que là, je crois que j'ai atteint mon maximum, moi, les gens. Échauffement, entrée dans la cité. Alors, elle est par où la cité? Il n'y a pas des choses à regarder, à trouver, des petites pièces, non? Donc la cité... On vient de par là derrière, nous. On va tout fouiller, hein. Il y a peut-être des trucs importants, intéressants. Non. Nous, on vient de par là. Hein. Ou pas, en fait. C'est un miracle que cet endroit tienne encore debout. Malgré la dégradation, le talent artistique est éblouissant. Oui, descends. Tu veux pas descendre? Ah bah elle veut pas. Elle veut pas nager. Pourquoi? Ma grande, il faut plonger un moment. Elle veut pas. Quoi, c'est pas par là qu'il faut que j'aille? Ouais, ça m'étonnerait que ce soit pas par là qu'il faut que j'aille quand même. Ah, voilà. Peut-être que j'étais pas au bon endroit, un peu trop sur le bord. Par contre, on va accélérer un peu, hein. Oui, on accélère, on accélère. Voilà. Ok. J'ai un peu du mal à me dire qu'il n'y ait jamais personne qui ait trouvé cette cité. Comment c'est possible que cette cité soit restée secrète, quoi? Il n'y a jamais des avions dans ce pays-là ou... Pas certaine que l'eau soit très potable chez eux. Alors, bah... On avance, c'est très calme n'empêche. Trop calme. Non,
N'empêche, c'est super joli, hein. Un peu de tranquillité après tout ça. Et encore, je suis même pas très très tranquille. Enfin, n'empêche, il n'y a personne qui est passé par la porte, donc je devrais être assez seule. Je devrais. Je devrais. Oh. Pas de plus. Du calme. Du calme. Tu sais que je ne suis pas une trinitaire. Et pourquoi devrait-on te croire? Je me suis échappée avec l'un des vôtres. Un homme nommé Jacob. Et où est-ce qu'il est? On était ensemble, mais petit on a problème. Séparés dans les mines. Elle l'a tué! Non! Non, 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 non! Jacob ne ferait jamais confiance à une étrangère. Écoutez, il faut me croire, je ne suis pas votre ennemi. Je t'avais prévenu, tu aurais dû m'écouter. Sophia! Arrête! Et comme par hasard, qui est de retour? Jacob! Ah, son père en plus! Je croyais t'avoir perdu. Ça devient une habitude, hein. On se perd, on se retrouve, tu me sauves la vie. N'en veuillez pas, Sophia, elle est prudente. Je le serai tout autant à sa place. Qu'est-ce que tu as découvert? Les Trinitaires arrivent en nombre. Nous devons nous préparer. Plus de ceux qu'on a déjà tués. C'est une alliée. Je vous demande de ne lui faire aucun mal. Toutes ces ruines, la cité perdue du prophète est tout près. Venez, nous n'avons plus beaucoup de temps. Préparez la réserve d'armes et sécurisez les remparts. Allez-y, maintenant. Ils ne vont pas tarder. Et nous ne sommes pas assez. Les enfants et les anciens sont vulnérables. Va, conduis-les dans les catacombes. Allumez les feux, il faut vite alerter la vallée. Allumer les feux, faut vite alerter la vallée, ça me fait penser à un film. Oh, que c'est beau. Sophia, rassemble nos combattants et venez me rejoindre au village. Ne t'avise plus de disparaître, père. Ouais, c'est sa spécialité pourtant. Il y a beaucoup à faire. Et si on avait un peu plus de temps? Plus tard. Pour l'instant, je vais voir si je peux me rendre utile. Mais si on avait un peu plus de temps plus tard. Bah c'est justement ce qu'on te dit, c'est qu'on n'en a pas assez de temps, ma grande. Allô. Alors, un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Et la pièce des mitraillettes, 3 sur 4. Bon, ce serait bien de trouver la quatrième avant le grand affrontement, parce que j'ai l'impression que on va en avoir besoin. Bonjour messieurs. Il faut qu'on puisse transmettre le message aux autres colonies, qu'elles sachent ce qui nous menace. En attendant, moi ce que je vous propose, c'est de s'arrêter ici. Je suis morte assez aujourd'hui, hein. On va se quitter un peu sur Lara qui nous parle d'ailleurs. Mais les Trinitaires sont en chemin. Ils auraient bien besoin de mon aide. Quant à cet atlas dans la fresque, s'il s'agit vraiment d'une carte des ruines, je dois le trouver avant Anna. Si j'échoue, tous ces gens seront morts pour rien. Et je n'ai aucune envie d'avoir ça sur la conscience. Mais alors, qu'est-ce qu'on va améliorer? On utilise beaucoup ça, mais en même temps, si on a notre mitraillette qui est presque prête, peut-être autant attendre pour améliorer, je sais pas. On a peut-être besoin en fait d'armes en attendant, d'ici là. Mais écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ça dans le prochain épisode. J'espère que vous avez aimé, il y en a beaucoup qui vont être contents parce que c'est des fails et moi j'aime pas mourir et je suis pas une tryhardeuse. Et voilà, j'arrive au sommet un peu de ce que je peux faire. J'apprends, hein, c'est déjà beaucoup plus que ce que je faisais au premier. Donc s'il vous plaît, soyez gentils et indulgents avec moi, hein. En attendant, ben vous savez ce que vous pouvez faire si jamais vous avez aimé. Les petits pouces en l'air, les petits commentaires et tout ça, tout ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.